énorme. Comme un aéroport, non? C'est un mini-aéroport. C'est un mini-aéroport, c'est vrai. Ah, c'est le paysage. Hein? Ouais. C'est un paysage. C'est un couple. C'est un couple. C'est un couple. C'est comme le... C'est une petite obscurité aussi. Et voilà. Très profond, tout ça. Ouais. Wow. Ouais. C'est votre nouvelle série? Ouais, ouais, absolument. Ouais. C'est la nouvelle série que je suis en train de travailler sur les animaux. Essayer de voir qu'est-ce que je peux faire, quoi. Ah. De voir quelles possibilités. Ouais. C'est un nouveau sujet pour vous. Ouais, 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 absolument. Ouais. C'est une contraste oui, oui. énorme. C'est une exhibition et c'est une installation pour moi ici. Oui, que pour l'instant je fais, oui. parce que c'est mon atelier, je fais beaucoup d'essais. C'est un animal qui va chasser, à essayer de trouver des choses à manger. Oui, oui, oui. Voilà, donc. Il y a quelqu'un qui chasse, il y a quelqu'un qui meurt. C'est le léopard noir. Léopard noir. Entre l'abstraction, entre de le figuratif. Oui. Voilà, donc essayer de mettre une, comment dire, une confusion entre la réalité et l'imagination. Il y a violence aussi. Ouais, il y a une violence, il y a une survie. Parce que voilà, si léopard qui a besoin de chasser, voilà, parce que, oui. pour survivre. Voilà, que... Et toute votre peinture, il y a un élément d'obscurité, oui, une petite violence. Oui, parce que moi, je n'exprimais pas le bonheur. Ah, donc, plutôt que les tragédies, ah, ça m'intéresse énormément. Oui. La tragédie de l'animal, la tragédie de l'homme. Voilà, oui. Tout est lié ensemble. Il n'y a plus de la place sur la terre pour des animaux aujourd'hui. Je voudrais discuter cette peinture aussi parce que c'est un différent type d'animal. Ouais. Rupert Murdoch, ouais. c'est un animal humain, était aussi un chassé. Ouais, ça c'est une peinture triptyque. Pourquoi trois? Parce qu'à l'instant même, l'homme qui changeait trois expressions. À l'instant même. Oui, oui. Voilà, que d'abord il était un peu orgueilleux, un peu fier. Après l'autre, il est devenu un peu plus, comment dire... L'angoissé, oui, oui. voilà, que troisième, il est en train de prier. Oui, maintenant, où voilà. est le Dieu? Voilà, où est le Dieu? Voilà, c'est qu'à un moment, quand il a des difficultés, quand il a de, comment dire, l'homme, à dernier moment, il a dit, où est mon Dieu? Voilà, ils ont prié pour essayer de pardonner. Voilà. Pardonner. Voilà. Et nous avons un autre homme, des dieux, ici. C'est intéressant, le contraste. Parce oui, parce que l'autre, c'est le Desmond Tutu. Exactement. Voilà, l'homme... C'est rouge. C'est ici, noir. Ouais. Noir, noir et rouge. Et pourquoi ouais. vous choisissez rouge pour cette étoile? C'est parce qu'il a une signification. Il y a une connexion parce que votre travail avec la série Mao, c'est en rouge aussi. Ouais. Il y a une connexion de Mao avec le dieu aussi. Oh, c'est pas la même chose en ce moment-là. Qu'est-ce voilà. que c'est la différence? Le un qui est le rouge de la propagande. Voilà, ah. rouge de propagande. Ça, c'est une rouge qui est une fonction ouais. de l'Église. D'accord. Voilà. Voilà. Présent, quoi. Oui, oui, oui. Présent. Voilà. Il a une présence incroyable. Voilà, il regarde. Et l'expression, il y a beaucoup ouais. de couleurs différentes dans ouais, ouais, le ouais. visage. Oui, absolument. Pour l'exprimer, c'est, ouais, ouais, c'est incroyable. Ouais. Et vous... Avec un rire. Mm. So, il y a beaucoup d'obscurité ouais. dans toutes les toiles, mais ici, il y a hope. Il y a un peu d'espoir. Espoir. Espoir. Mais en même temps, c'est une peinture qui est très grande. Oui, oui. Parce qu'il fait 4 mètres hauteur. Quand l'homme qui est devant la peinture, l'homme qui peut pénétrer dans la peinture. Est-ce que vous avez un assistant pour faire aide avec vous? Non, non, non. non. C'est différent de en Chine maintenant. Il y a beaucoup d'artistes qui... Avec l'habilité. Oui, mais que mon travail, ce n'est pas une côté de... Je ne suis pas de le made in China. Je suis un artiste tout court. Exactement. Voilà. C'est votre exprimé. Absolument. Oui. Je l'aime la peinture, je l'aime travailler. L'atelier, quand je suis dans ton atelier, avec beaucoup de bonheur. Je voudrais discuter l'homme africain. Enfin, africain. Aujourd'hui, dans le monde de finances, les gens jouent comme le très virtuel. Oui. Mais en réalité, c'est vraiment autre chose. Quoi. Oui, oui, oui. Voilà, entre le finance, mondialisation,
économie, mondialisation, entre les gens qui sont en train de crèver. Oui, oui. Voilà, une sorte de l'injustice absolue aujourd'hui. Non, non, c'est, oui. C'est le, notre tragédie aujourd'hui. Et une série, de nouvelles séries, il s'appelle Invisible Woman. C'est entre le visible et l'invisible. Exactement. Voilà, donc la présence était invisible. Exactement. Voilà. Fait ça en couleur. Oui, en petit. Voilà. C'est couleur. Visible, voilà. C'est en couleur. La couleur, oui, voilà. C'est en visible. Voilà. Voilà. Quand on fait l'homme invisible, il faut faire l'homme visible. Mm. Sinon, sinon, il n'y a pas l'homme invisible. Voilà, donc je fais ça, une peinture sur l'homme, comment dire, non reconnaissable, mais avec un portrait. J'ai l'impression que nous sommes dans une forêt mystique, magique. Oui, assez mystérieux. Oui, oui. La nuit était paisible, la nuit était profonde, la nuit était noire, voilà, avec de la lumière qui est pénétrée dans la peinture. Et pour vous, est-ce que nature est peut-être dangereuse? Le monde, je pense que le monde est... Pour moi, c'est très difficile à sauver. Très, très difficile à sauver. Parce que l'homme qui est exploité trop. Et la terre était vraiment... En bas, il creuse, et les trous, en haut, il construit. Donc, voilà, donc un jour, il va être, la terre il va devenir vide. Oui. Voilà. Donc, c'est le monde, l'homme qui est en train de... comment dire, abîmer. Oui. Notre univers.